les amis, je vous explique, ça fait plusieurs jours que je reçois plein de messages. Parce qu'en fait, la photo de ma mère et moi, elle a fait un peu le tour du monde là. Elle a été repostée par un chir en Arabie Saoudite. Ensuite, elle a été au Maroc, en Algérie, en Turquie, en Tunisie. Bref, elle a fait le tour. Et en fait, les gens, ils pensent que je viens de me convertir à l'islam. Et c'est pour ça que tout le monde est en train de me féliciter en mode une star de télé-réalité vient de se convertir à l'islam et tout ça et tout ça et tout ça. Mais ça fait 12 ans. Ça fait plaisir, mais ça fait 12 ans. Et ce qui est drôle, c'est qu'en France, je suis en train de me faire tuer. Et dans les autres pays, on est là, félicitations Dylan pour ta conversion à l'islam et tout. Mais ça fait quand même plaisir. Hein. Bon, les amis, là, on est dimanche. Et même le dimanche, on va au sport. Même le dimanche, on lâche rien. Et j'ai pris 7 kilos en 12 jours, en 2 semaines. J'ai pris 7 kilos. C'est incroyable. Je suis trop fier de moi. Après, je vous dis, j'ai pris 7 kilos, mais il y a 2 entraînements par jour, 6 jours par semaine, 2 entraînements par jour, et je mange 5-6 fois par jour. Du coup, c'est pas les 7 kilos, ils sont tombés tout seuls, c'est 2 entraînements par jour. Et on sait très bien que les muscles sont plus lourds que la graisse, et je mange 5-6 fois par jour. Voilà. En plus, j'ai pris un coach qui est très très bon. Et du coup, j'arrache tout là, je suis fier. Je suis fier. Écoutez pas non plus ceux qui disent que vous n'êtes pas fait pour telle ou telle chose. Et surtout, écoutez pas les gens qui parlent de risque sans en avoir jamais pris. La vraie vie, c'est pas...